Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour l'épisode 6 de Let's Timelapse. Aujourd'hui, on se retrouve sur le toit d'une échoppe, échoppe qui appartient au marché, qui est un des cœurs vivants du village. Mais avant de continuer, je vous propose une petite rétrospective sur ce qui a été fait jusqu'à maintenant pendant la saison. Vous voyez que là, on a le pont, épisode 2, et ensuite on arrive sur le premier quartier qu'on a fait, avec un puits. Vous avez été beaucoup à me dire que ça manquait de puits dans le marché. Il y a déjà un puits et je compte en mettre un autre sur la place qui est juste en dessous de nous là tout de suite, mais pas au marché. Je pense que il y aura déjà 3 puits, ça suffira. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y avait quelques maisons en plus. Donc là, juste à droite, vous connaissez, c'est le premier quartier dont on a parlé. Et là, de l'autre côté, on a les nouvelles maisons. Vous savez qu'entre chaque épisode, je construis quelques maisons pour remplir un petit peu. Et là, j'en ai construit 3 qui viennent étoffer ce côté-là, entre la berge et le marché, et qui vont bientôt venir embrasser, entre guillemets, l'endroit où sera placée l'église, pour animer un petit peu le coin. Mais avant de passer à la suite, j'aimerais parler de quelques petites choses concernant le timing, le temps et le retard de l'émission. Alors, première chose, le retard. Cet épisode a une semaine et demie de retard, et ça s'explique assez facilement, j'ai envie de dire, à cause des conventions, vu qu'il y a eu des cubes d'épion chez la Paris Games Week. Et du coup, en gros, pendant 10 jours, voire plus, je n'ai pas du tout pu travailler sur Let's Timelapse, ou alors juste construire les 3 maisons que vous avez vues, et c'est tout, pas filmé. Un petit peu dur quand on ne dispose que de 14 jours pour faire un épisode. Et par ailleurs, j'ai eu un problème de shaders. Je tournais à 2 FPS, donc évidemment impossible de jouer, mais également impossible de filmer. Et j'ai mis plusieurs jours à le résoudre avec l'aide de Juju, qui m'a donné un autre set de shaders, qui est pas exactement pareil, mais un petit coup de correction colorimétrique, et on s'y croirait. Et l'autre chose, pourquoi est-ce que je n'ai pas pu rusher du coup? Pourquoi est-ce que... j'ai essayé, hein. 2 jours avant, je me suis dit, allez, je vais essayer de finir l'épisode à temps. Impossible. Il faut savoir que Let's Timelapse, c'est à peu près 40 heures de travail par épisode. Oui, ça fait vraiment beaucoup. Entre la recherche, je suis en contact avec Oriendo, qui est un enseignant-chercheur en histoire, qui me donne des indications sur des choses ici et là, en me disant est-ce que ça c'est bon, est-ce que ça c'est pas bon. Je lui demande, par exemple, mon église, est-ce que si je fais quelque chose comme ça, ça marche, qu'est-ce qui serait mieux, etc. Et ensuite, il y a évidemment toute la construction qui prend énormément de temps, le tournage n'est pas le reste, et le montage est assez sérieux, c'est pas juste on met une intro, on met une outro. En gros, dites-vous qu'un seul épisode de Let's Timelapse, c'est plus que tout un LP entier, que ce soit de moi ou d'autres personnes, que d'autres vidéos, moi j'aurais le temps d'en faire... je sais pas, 40 sans doute, j'aurai le temps de faire 40 vidéos d'un autre type, je choisis de faire ça à la place. C'est ma série préférée, je la fais vraiment par passion, ça fait très longtemps que j'ai envie de la faire. Et dites-vous que si un épisode est en retard, non seulement je le sais, mais ça m'embête énormément. C'est la seule série pour laquelle j'ai vraiment un planning, et j'essaye de m'y tenir. Donc voilà, je dis ça en référence aux très très nombreux commentaires pour me signaler que mon épisode est en retard, voire pour m'engueuler parce que mon épisode est en retard. Je le sais, et s'il est en retard, c'est qu'il y a une très bonne raison. Donc je suis vraiment désolé, mais bon. Par ailleurs, les épisodes sortiront désormais le samedi. Il y en aura un la semaine prochaine pour rattraper le retard, parce que j'ai quand même envie de le rattraper. Et par la suite, ce sera de nouveau toutes les 2 semaines. Voilà, ça m'embête de faire ce genre de mise au point, surtout en début d'épisode, mais ça me semblait nécessaire par rapport aux très nombreux messages que j'ai reçus, et comme ça, au moins c'est fait. Donc passons à la suite. Aujourd'hui, on va s'éloigner de notre village, là on passe au-dessus. Vous voyez que de l'autre côté de la rivière, il y a tout l'espace qui, sur le plan, était réservé à des champs. Beaucoup, beaucoup de champs. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Alors vous allez vous dire que c'est un épisode un petit peu light, vous allez voir que pas tant que ça. Notamment parce qu'on va développer un nouveau style de construction, mais vous allez bien voir, et puis surtout c'est une très très grande zone, peut-être même que ce sera sur 2 épisodes, et vous verrez pourquoi. Alors on va commencer par le blé en lui-même. Alors vous voyez que je le mets absolument partout en utilisant un brush.
Non, j'espère que vous ne pensiez pas que j'allais le faire à la main. Ce serait complètement fou. Et du coup, je remercie Aurélien Sama qui m'a indiqué quelle commande faire pour avoir le brush. Et en gros, il faut combiner WordEdit et Voxel. Et ça donne ça, c'est très 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 pratique. Par la suite, j'ai un petit peu fractionné tout ça. Mais dans un premier temps, non seulement ça permet de vraiment identifier la zone, mais en gros, on va quand même laisser la plupart de ce blé. Dans Minecraft, avoir ces énormes étendues de blé, ça rend vraiment bien, même si dans la réalité, c'était un petit peu plus fractionné. Je pouvais pas m'en passer, c'est vraiment joli de faire ça comme ça. Et vous remarquez que je laisse les arbres. Je laisse les arbres parce qu'à l'époque, ce qu'on faisait, c'est que les champs, on les mettait aux endroits où on déboisait un petit peu. Donc la forêt viendra par la suite, mais je voulais quand même laisser ça, laisser des arbres au milieu des champs. Et là, on s'attaque directement aux maisons, qui, déjà de 1, vous le remarquez, sont plus petites que celles du village. Mais aussi, vous remarquez aussi les matériaux que j'ai mis là. C'est pas vraiment un pattern. Alors par pattern, je veux dire quelque chose d'organisé. Au début, j'avais commencé à faire ça. J'avais commencé un pattern avec différents matériaux. Et je l'ai partagé sur Twitter, je l'ai regardé moi-même. Et en gros, sur Twitter, on m'a dit « Bah, ça fait pas assez pauvre. » Et j'étais d'accord avec eux, ça faisait pas assez pauvre. Du coup, je l'ai changé. Et vous voyez que j'ai pris de la cobble et tout, même si je sais que historiquement, il n'y a pas du tout de... Enfin, il y avait très très peu de pierres sur les maisons de pauvres. C'est pas grave d'en mettre, surtout si c'est de la cobble, surtout pas de stone brick, je dirais, parce que ça, pour le coup, c'est travaillé. Mais mettre un petit peu de cobble, pourquoi pas, tiens, j'aurais pu mettre de la stone normale. Et vous voyez qu'il y a un autre bois qui est plus orangé que ceux que j'ai utilisés, c'est du bois de jungle. Donc c'est pas le bois de jungle de base du John Smith, qui lui est de la même couleur que le spruce. Et je trouve ça très très inintéressant en fait d'avoir deux fois la même couleur de bois, donc je l'ai un petit peu modifié pour avoir cette teinte là, en référence au pack de Flag Wars 3 d'ailleurs, qui aura cette même teinte de bois de jungle. Et de manière générale, vous voyez que du coup ces patterns, je choisis mes blocs, donc j'ai des bûches de jungle, j'ai du bois de jungle, escalier, bloc et slab, j'ai des fences, j'ai quelques petits trucs en cobble, et ce que je fais, c'est que je prends mes blocs et je les mets un peu dans tous les sens. Pas d'organisation particulière, un sens quand même, dans le sens où je veux que ça fasse ressortir certains détails, certains reliefs. Donc par exemple, je vais souvent mettre une slab sur le haut du bloc si j'ai mis un escalier sur le bas du bloc, parce que du coup ça crée une diagonale qui donne de la profondeur. Mais c'est à peu près tout. Donc, du coup, je les place un peu comme je le sens, n'importe comment. Et ça donne vraiment une impression de mur fait un peu à l'arrache. Alors, de l'intérieur de la maison, on n'a pas cette impression-là. C'est quelque chose sur lequel je vais sûrement devoir bosser un petit peu par la suite. Pour l'instant, c'est vrai que de l'intérieur de la maison, on se rend à peine compte qu'on est dans une maison pauvre, au niveau du mur, même si le sol, je l'ai laissé en terre avec un petit peu de gravier. Comme ça, bah, c'est ce qu'il y avait à l'époque, hein, il y avait les sols en terre. Autre chose que l'on remarque, ce sont les toits. Alors les toits, j'avais commencé à les faire en pointe, comme dans le village, mais ça n'a pas vraiment de sens, ça fait très riche, et du coup je me suis dit que j'allais changer, j'ai fait l'inverse, je l'ai bombé, et personnellement je suis très content du résultat. Je trouve que ça change le style du tout au tout. L'espèce de cerclage que vous voyez sur les toits, donc le même système que j'utilisais dans le village, c'est du birch, donc c'est le bois très clair, qui est pas mal du tout, et qui donne un effet de cerclage sans avoir à reprendre les mêmes matériaux. L'autre chose intéressante que vous pouvez voir, c'est que sur les murs, j'ai fait n'importe quoi, mais sur les toits aussi. Vous voyez que les blocs, à certains endroits, j'ai mis un bloc plan, à certains endroits, j'ai tourné l'escalier, j'ai mis des dalles, il y a même, là, je vois un endroit où j'ai mis une bûche. Et en gros, ce que ça fait, c'est que ça fait rafistoler, ça fait un peu à l'arrache, et ça, c'est quelque chose que j'amènerai par la suite dans le village.
Après avoir vu toutes ces maisons que j'ai fait en dehors du village, je dois dire que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce côté détruit à moitié. Ça donne vraiment beaucoup de caractère. Et du coup, je pense que d'ici quelques épisodes, peut-être à l'épisode 9, je dirais, on se fera un épisode entier pour revoir intégralement ce qui a été fait dans le village, casser des choses, rendre le village imparfait en fait. Quelque chose d'imparfait, ça lui donne vraiment de l'âme. Et je m'en suis souvent rendu compte, même dans nos timelapses, de temps en temps, je trouve que, au moment du montage, je vais être en train de monter, je me dis, bah écoute, je suis tellement content de ce que je suis en train de faire que c'est parfait, entre guillemets, et du coup, il faut que je casse des trucs, il faut que je change un petit peu le montage pour que ça soit moins bon, pour vraiment lui donner de l'âme, que ce soit pas trop propre. Ici, on passe à une maison assez particulière après cette divagation, parce que vous voyez, c'est une maison pauvre avec un étage. En fait, pour moi, ça c'est une auberge. Vous voyez qu'on a une auberge dans le village, mais on va également en avoir une à l'extérieur pour les plus pauvres. Et c'est pour ça qu'on a les deux petits bras devant. Ça va être des écuries. Parce que, vous avez vu, d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais dans le plan juste avant, j'ai construit une toute petite écurie qui avait deux ou trois places pour des chevaux. Et bien là, on fait la même chose. On a la place pour 5 chevaux. Et du coup, on a tout notre écurie où on va pouvoir mettre des chambres. Toute notre auberge, on va pouvoir mettre des chambres. Dans ce style différent. Donc, forcément, moins grande que l'auberge à l'intérieur du village. Parce que, bon, pas déconner. Mais voilà ce que ça donne. Et je suis. Écoutez, je suis assez étonné en fait. Au début, je m'interdisais de faire un bâtiment à étage dans cette zone pauvre. Et finalement, en me l'autorisant, ça rend vraiment bien. Malheureusement, dans ce plan, j'ai pas eu le temps de terminer le bâtiment, mais vous le verrez au moment de la cinématique, qu'avec les détails de partout, ça marche, tout simplement. Et voilà le résultat, voilà ce qu'on verra en arrivant depuis le futur port, depuis la mer. Tous ces champs, et finalement beaucoup de maisons. C'est que justement parce que j'étais un petit peu, enfin même très limite au niveau temps, je m'étais dit je vais faire les champs, ça va être assez light à faire. Bah, pas du tout, un nouveau style à faire et une dizaine de maisons je crois en tout. Donc beaucoup de boulot au final. Mais je pense que ça valait le coup, je suis très content du résultat, moi. Et voilà la route principale donc, qui mène au village depuis cette direction-là, avec la petite écurie à gauche. Et l'auberge. Donc voilà un entrepôt, là sur la droite, qui n'est pas rempli, j'y ai pas pensé, j'aurais dû remplir l'entrepôt. Tout comme là, au niveau de l'auberge, vous allez voir que j'aurais dû remplir les écuries, comme j'ai fait pour l'autre, en mettant un petit peu de foin. Donc j'utilise des éponges pour ça, et de quoi faire boire les chevaux. Mais vous voyez que ça fait très tassé, ça fait très lourd, mais je trouve que ça marche vachement bien, et ça garde la thématique Let's Timelapse. Beaucoup, enfin, quelques-uns dans les commentaires semblaient ne pas aimer ce genre de détails. Il y a plusieurs types de détails, plusieurs types de reliefs, moi c'est celui que j'aime bien, et c'est celui que j'ai adopté pour Let's Timelapse plus précisément. Du coup je vais y rester, je vais pas changer. Et ça me semble très important de se dire que c'est pas parce qu'une maison est pauvre qu'elle ne doit pas être détaillée. Voilà, ça, niveau de richesse et détail, pour moi, c'est complètement dissocié. On fait soit détaillé, soit pas détaillé, soit pauvre, soit pas pauvre, mais c'est pas la même chose. Bref, donc voilà, de nuit, ce que ça donne, je trouve que c'est très sympa. Il y a de la lumière, mais pas trop, parce que il n'y a pas d'éclairage dans les rues ou quoi que ce soit. Et maintenant, dans les prochains épisodes, on va vouloir remplir un peu ces champs, mettre des petits trucs ici et là, des petites structures, et rajouter deux gros bâtiments dans les champs. On verra en temps voulu ce que ce sera. Comme d'habitude, on se laisse sur le plan, et vous voyez qu'au niveau de la surface, on a plus que doublé la surface habitable du village. Et surtout, maintenant, ils ont de quoi se nourrir, ce qui me paraît assez important. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. C'est un petit peu chaud, mais je suis très content du résultat. J'aime beaucoup ces champs.
et j'ai hâte de les continuer dans le prochain épisode. Donc sur ce, à très très bientôt, portez-vous bien, salut à tous.